où elle est et qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez l'heure qui est? Alors, toute la journée, j'ai essayé de l'appeler, ça répond jamais. Même le portable, ça ne répond jamais. D'ailleurs, ce truc-là, ça marche pas. Bon, bah, je vais l'appeler au studio. Mais à ce temps-là, il n'y a plus personne. J'essaie quand même. Allô, le studio? Allô, le studio, il y a quelqu'un? Oui, alors, bon, c'est bien, il y a quelqu'un, toujours 24 heures sur 24. Oui, alors, c'est le mari de Jean. Comment ça, encore? Je vois pas pourquoi ça vous fait rire, il n'y a rien de drôle. J'aurais juste savoir si Jean est là. Elle est partie avec Pierre. Merci. Elle est avec Pierre. Hier, elle était avec Pierre. Aujourd'hui, elle est avec Pierre. Elle est tout le temps avec Pierre. Alors, si c'est David, je l'étrangle. Salut, Jean. Salut, Pierre. Jean n'est pas avec toi? Ben, non, non. Elle est pas ici. Ah, non, non. Alors, je comprends rien. J'ai appelé le studio, on m'a dit qu'elle est avec toi. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on s'est quitté. Oh, ben alors, où elle est? Ben, écoute, moi, je pensais qu'elle était rentrée. Tu m'excuseras? Faut que je récupère les hectares de la nouvelle campagne New Glamour. Tu le diras, Jean? Si tu veux. Merci. Oula, faut que je file, moi. J'ai juste le temps de passer au labo, là. S'il savait comme je m'en fiche. Tu lui dis? Oui, oui. Merci. Oui. Ah. Enfin, si je la vois. D'accord. Voilà, elle est pas avec Pierre. Où elle est? Ah, bah, je sais, elle a eu un accident. Oui, un accident. Et voilà, c'est l'hôpital. Qu'est-ce que je disais? Un accident. Oui, allez-y, parlez. Hein. Je serai fort, très fort. David! David! Eh ben non, Jean n'est pas là. Oui, tu me déranges. Alors, je vois pas pourquoi, si tu me déranges, je te dirai pas que tu me déranges. Non, je suis pas énervé. Non, David, je t'ai pas raccroché au nez. Ne sois pas si susceptible. Bonsoir. 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 Je peux savoir où t'étais? Oh. Une autre fois, ok? Ah non, non, ça c'est trop facile. Oh non, Jean, je t'en prie, un autre soir. Je te signale que ça fait trois fois que tu rentres à des heures pas possibles. Et le matin, quand je veux te parler, je veux pas, tu dors. C'est normal, je suis crevée. Puisqu'on y est, pourquoi tu es crevée? Tu vas pas recommencer. Je recommence rien du tout. Le matin, je peux pas te parler, je suis obligée d'aller travailler. Et quand je te rappelle, t'es déjà partie. Moi aussi, je travaille, en cas où tu auras oublié. Alors arrête maintenant. Je suis mort, ok? J'ai eu une longue journée. Ça s'est très mal passé. Si tu veux, souvent, je suis entrée à pied. J'avais besoin de me calmer. Alors tu sais tout. T'es content maintenant? Si je suis content? Mais je suis pas content du tout, je me suis inquiété. J'ai même cru que t'avais eu un accident, voilà. Hein? Alors, c'est pas une raison... C'est pas une raison, pourquoi? Mais enfin, t'aurais quand même pu téléphoner. Oh, je t'en prie, chérinours, arrête. Il n'y a pas de je t'en prie, de chérinours qui tienne. Pourquoi tu m'as pas téléphoné? Il commence à me fatiguer sérieusement, celui-là. Et toi? Quand tu rentres tard pour le dîner, est-ce que tu téléphones? Oui. Non! Non, tu téléphones jamais! Jamais tu téléphones! Et quand tu entres avec Christian pour dîner, est-ce que tu téléphones pour me prévenir? Non! Non! Jamais! Est-ce que je dis quoi que ce soit? Est-ce que je râle, moi? Non, je souris! Je dis, ah, oh, mon pauvre chéri Nours, tu es fatigué, mais je t'ai préparé un bon dîner. Est-ce que tu dis merci? Non! Jamais! Et en plus, si c'est la cuisine américaine, j'ai droit à des réflexions. C'est pas des réflexions, c'est la vérité. Moi, j'en ai marre de la cuisine américaine. Hamburger en entrée, hamburger en plein de résistance, hamburger en dessert. Je suis pas cow-boy, je suis français, moi. Français! Alors, si t'es pas content, tu le fais toi-même, ta cuisine. Tiens, ce soir, j'entre, je suis crevée. Est-ce que t'es pas prêt à le dîner? Hein? Ça m'aurait fait plaisir. Est-ce que ça traversait l'esprit? Non! 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 Moi, tu penses à moi pour qu'une chose! Oh, sinon, tu me cries dessus! Je te crie pas dessus. Je te demande juste... où t'étais! Oui, tu me demandes juste. C'est ça.
J'entre tard, mort. Tout ce que tu trouves me dire, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Tu veux que je te dise? Hein? T'es une malade de jalousie, toi. Malade, hein? Non, certainement pas, je suis pas jaloux. Et puisqu'on en parle, dis-moi ce que t'as fait minute par minute depuis une semaine. Oh, mais ça va pas! Mais t'es fou! Mais je suis pas fou, je me suis inquiété, c'est tout. Mais inquiété, mais de quoi? Mais de quoi? Écoute, t'es... T'as peur qu'un terroriste va m'enlever dans la rue? T'as peur qu'un meuble va s'enfendre et me tomber dessus la tête? T'as peur de quoi? D'un tremblement de terre? D'un raz-de-marée? Ben, on est à Paris! Et alors, t'as jamais entendu parler des crues de la Seine? Oh! Mais enfin, quand tu rentres à des heures pareilles, c'est normal que je m'inquiète. Il était 9h02. C'est pas normal. Ce qui est pas normal, que tu me surveilles comme ça, comme un flic. Tu veux que je te dise? J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre. J'en ai marre de travailler comme un taré. J'en ai marre que tu t'intéresses pas à mon travail. J'en ai marre que tu me fais des crises de jalousie comme ça. J'en ai marre de faire ta bonne. J'en ai marre de ta logique gauloise. J'en ai marre de chercher à baguette tous les soirs. Oh, des baguettes, j'en ai marre, je m'en vais. Où tu vas? T'as pas compris, j'en ai marre. Je pars. Non, tu restes ici. Mon mari, monsieur Cro-Magnon. Si tu ne me laisses pas partir, je hurle. Très bien. Mais je te préviens, si tu franchis cette porte... Oui, si je franchis cette porte, et alors, quoi? Mais vas-y, tu peux tout casser si tu veux. C'est exactement ce qu'il fallait dire pour que je parte. Alors si tu crois... que je vais bouger le petit doigt pour que tu restes, tu te mets le doigt dans l'œil, jusqu'au trognon. Il suffit que je me baisse, moi, pour ramasser des bonnes femmes. Ouais, oh, je suis sûre qu'il y a un fil indien devant la porte. Baisse-toi, vieux. Adieu. Goodbye. Ça, je bougerai pas une oreille. Je reste là. Je suis un abruti, voilà, je suis un abruti. Jean? 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 Ah, Jean, tu sais quoi? Jean m'a raccroché au nez deux fois. Ah non, mais c'est trop, c'est pas vrai. C'est pas... Ah, mais t'as pleuré? C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ah, si, t'as pleuré. C'est Jean. Oui. Je le quitte. Ah, tu le quittes? Oui, oui, j'ai décidé, oui. Ah, ne dis rien, j'ai compris. Ah. J'arrive pas à croire que j'ai pu penser que j'étais amoureuse d'un type comme ça, tu sais, il est agressif, c'est un macho, il est jaloux. Non, vraiment. Ah, tu t'en es enfin rendu compte. Ah non, j'ai toujours été étonné, stupéfait de la façon dont il te parlait. Et puis, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres gens, quoi. Non, mais maintenant, c'est plus la peine d'en parler. Plein de gens? Ah, oui. Bon. Tu sais, on dit que l'amour rend aveugle, mais je crois que ça rend sourde aussi, parce que je ne me suis absolument pas rendu compte. David, il faut que tu prennes mes services. Ah oui, bien sûr. Je vais appeler Pierre, il faut que je lui parle, c'est assez important et j'ai besoin de... Tiens, tu veux que je te donne mes clés, ok? Parce que j'ai des doubles là, je vais prendre un rendez-vous avec Pierre chez elle et puis on se retrouve peut-être, on se retrouve là-bas et si je suis pas là, on se retrouve ici. Il est là et je veux pas le... Ça, ah oui, d'accord, j'ai deux, trois trucs à faire et puis tu sais que tu peux toujours compter sur moi, Jean. À tout à l'heure. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Thierry. Il a le blues ce soir. C'est gentil d'être venu, Pierre. Je t'ai dit au téléphone que je viendrais, alors je suis là. Merci. Assieds-toi. Ça n'a pas l'air d'aller, toi, ce soir. Ça va pas, du tout, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas la campagne New Glamour qui te met dans cet état-là. Oh, tu sais, Pierre, si tu savais...
Comment je m'en fiche, tenue glamour. Quoi? C'est ton mec? Ah, j'ai plus de mec. Alors là... Hein? C'est pas si grave que ça. Oh, si, si, c'est pire, même. J'en ai marre. De lui? De tout. Du tout. J'en ai marre de... J'en ai marre de vivre dans un pays qui parle à mien, de pas voir mes parents, mon frère... De travailler comme une sanglée pour des clients qui prend vraiment de consommateurs pour des débiles en plus. Si on commence à parler des clients, on n'a pas fini. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Qu'est-ce que je te sers, Jim? La même chose. Pour moi aussi, la même chose, s'il te plaît. Alors, deux, la même chose? Tu vois... Du moment où je croyais que j'aimais Jean, tu sais, c'était pas important. Enfin, c'est pas que c'était pas important, mais ça passait après, tu vois. Et là, tu l'aimes plus? Je sais pas. Je sais plus. Mais ça change rien. De toute façon... Mais attends, tu vas pas quitter ton mari? Je pars. Mais tu quittes pas ton mari? Non, je quitte la France. Tu entres chez moi. Oh, c'est définitif, ça? Oui. Je t'en regrettais, tu sais. C'est vrai? Oui, non, non, c'est sincère. Mais tu partirais quand? Le plus tôt possible. C'est pour ça que je voulais te voir. C'est pour la campagne de New Glamour. Ouais, on a tout fini aujourd'hui. Oui, mais bon, si jamais il manque quelque chose... Tu voudrais que je finisse le travail. Oui. Pas de soucis, ok. D'accord. Mais pour tes affaires? En tant qu'avocat, David va m'aider à les chercher tout à l'heure. Bon, ok. Tu évites de te retourner, il y a ton mari, ton ex-mari, qui vient de rentrer. Je veux pas le voir. Bonsoir, Jean. Salut. Moi, ça a pas l'air d'aller très fort, toi, hein? Si, ça va même très bien. Bon. Tu bois quoi? N'importe quoi, mais un double. Ok, je te prépare ça. T'as vu Jean? Elle est là-bas. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ok, j'ai rien dit. Merci. Je crois que je vais profiter du fait qu'il est là pour entrer faire mes valises. Très bien. Et Jean? Je vais lui dire adios. Adieu même. Quelque chose qui réveille vraiment? Ok. Un truc qui réveille plus, je ne connais que la nitroglycérine. Jean? Oui? Je voulais te dire... Oui? Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, bon, ben, je vais te dire que je confirme. Je pars pour toujours. J'entre chez moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. C'est tout ce que tu as à me dire? Bon. Au revoir. Mais quelle andouille! Fierté d'andouille! Pourquoi je lui ai pas dit que je l'aime, moi, tiens? Bon, Thierry, la bouteille. Tu sais, Jean, tu devrais y aller doucement. Oh, je sais, je sais. Tiens, en fait, dis-moi... Non, rien. Hey Thierry, maintenant t'es mon seul ami. Hein. Ah! Salut Thierry! Bonjour David. Dis, t'as pas vu Jean? Non, non. Tu sais qu'elle a quitté Jean? Ah, remarque. Pourquoi tu me fais des mouvements de sémaphore comme ça? Non, mais écoute, ça devait arriver. Jean est une fille beaucoup trop bien pour rester longtemps avec un type comme ça. Ah!
Salut, Jean. Je me demandais ce que tu devenais. Fatigue pas, David, j'ai tout entendu. Je suis sûr que t'es ravi que Jean me quitte. À moi? Oh, pas du tout. Vraiment pas, je suis sûr que ça te fait plaisir. Ah non, je suis navré de voir l'échec de son mariage. Et je compatis à ta peine. Vraiment, si je pouvais faire quelque chose pour vous rabiboucher, je... Tu le ferais pas. Tu le ferais pas. Oh. Et tu veux que je te dise? Je m'en fous. Tu vois, David, t'es un pot de colle, un géniard, un casse-pied. Mais je te supportais. Je t'aimais même bien. Ah oui, je t'aimais bien. Tu sais pourquoi? Non. Parce que, à part moi, t'es la seule famille de Jean. Elle t'aimait sincèrement, tu vois. T'es triste parce qu'elle t'a quitté? Oui, mais alors, pas que pour ça. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Je comprends pas. Si Jean ne quittait que moi, ça ne serait que demi-mal. Je pourrais la reconquérir, tu vois, la reconquérir. Mais là... Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle quitte tout. Quitte la maison, Paris, retourne aux Amériques. T'es sûr? Elle est chaude. Et que... Elle me l'a dit il y a 10 minutes. Ah, elle s'en va. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Bah rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, comme ça, ta femme te dit qu'elle va te quitter, qu'elle va retourner en Amérique, et toi, tu bouges pas. Bravo. Ce type m'étonne. Il a l'air sincère. Si vous voulez que je lui dise qu'elle me manque, que je peux plus vivre sans elle, que j'arrive plus à respirer, à boire, il n'aurait pas compris. Je l'aime, quoi. D'être venu m'aider. Jean, c'est vrai? Quoi? Que tu retournes en Amérique et que tu laisses tomber ton mariage? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je trouve ça bête. Toi, tu trouves ça bête? Oui. T'avais l'air heureuse. Non, vraiment heureuse avec Jean. David, c'est toi qui me dis ça? Moi, je te dis la vérité, hein. Mais même si j'ai des réserves au sujet de Jean, tu l'aimais et puis lui aussi, il t'aime. Ah, il m'aime, oui, tu parles. Tout à l'heure, je l'ai vu, je lui ai dit que j'allais partir en Amérique. Ça lui a fait ni chaud ni froid. Ça t'a pas étonné? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Jean, c'est un garçon plutôt vif, hein. Et quand il lui annonce une chose qui remet en question toute sa vie et qu'il ne réagit pas, ça t'a pas surprise? Si, j'étais très étonnée qu'il réagisse comme ça. Ben, moi, je sais pourquoi. Parce que ça l'a assommé. Comment tu sais ça, toi? Ben je viens de le voir, j'étais chez Al. Oh là là, il faisait peine à voir. Une vraie locumène, lamentable, déprimée, quoi. Une ruine, un naufragé de la vie. C'est... on remonte? Hein, j'ai pas envie de continuer cette conversation dans le hall. Oui, tu considères personne, t'as raison. Alors comme ça, il t'a dit qu'il m'aimait. Ah oui, non mais tu sais, Jean est très très timide, hein. Il m'a dit qu'il n'avait pas osé te déclarer son amour tout de suite. Jean? Ça m'étonne de lui. Le jour où je l'ai rencontré,
Il m'avait dit que c'était le coup de foudre. Pour moi aussi. Et puis, il m'a sauté dessus sans la moindre cérémonie. Ah bon, et ça, tu vois, c'est un bel exemple de timidité. Et puis, il a ajouté que rien que le fait de t'imaginer à 10 000 km de lui, il pourrait plus vivre. Plus respirer, plus manger, plus boire, plus... Il a dit ça? Ah. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Ah oui? C'est lui. Ah bon, bon, je te laisse, hein. Je... Ah, ben Jean, je vais à la boutique, hein. On fait nocturne ce soir, alors bon, je... Oui, d'accord. T'as fait tes valises? Oui, mais je vais les défaire. Tu vas les défaire? Oui, je pars plus. Tu pars plus? Non. David m'a tout dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit comment tu m'aimais. Il a fait ça? Ben, il m'a tout raconté, ce qu'il lui a dit. Je lui ai rien dit à cet animal. Il fait la télépathie. Alors, comme ça, j'ai compris combien tu m'aimais. Ben, je pars pas. Enfin, si tu veux. Mais comment que je veux? Je veux dire, franchement, David, c'est un gars fantastique. Un peu envahissant, mais fantastique. Et donc, finalement, je regrette pas qu'on soit disputé. Hein. Comment ça, tu regrettes pas? Parce que la réconciliation, c'était un succès. Hein. Ah bah, tu peux le dire. Ça peut être, ça. À cette heure-ci? T'entends quelqu'un, toi? Non. Non. On ne voit pas, c'est pas grave. Attends. J'entendais pas. Oh! Ben non, y a rien. Jean, y a quelqu'un dans l'appartement? Si, j'entends quelqu'un dans l'escalier. David? Comment ça va que c'est moi? Une idée. Ah. Non, mais excuse-moi d'avoir insisté, mais j'avais oublié que tu m'avais laissé les clés tout à l'heure. T'es sûr qu'il n'y a que pour les clés que tu viens ici, David? Dis donc, t'es un vrai petit chaperon, toi? Non, j'étais venu voir si vous étiez réconcilié, mais je vois que tout va bien. Ouais. Tout va très bien. Viens voir de près, alors.